Lorsque Rabbi Nachman se trouva à Ouman, un jour, un homme lui demanda si on pouvait connaître la sagesse de la Kabbale sans se tremper au mikvé, au bain rituel, et sans pratiquer de jeûne. Il répondit qu'on peut connaître la Kabbale sans avoir besoin de tout cela. Il ajouta qu'il est difficile de comprendre le livre Etzraïm car il n'a pas été écrit dans l'ordre. Il disait que là où se termine la sagesse philosophique, commence la sagesse de la Kabbale. En effet, les philosophes ont étudié tout ce qui va jusqu'aux étoiles. La Kabbale, quant à elle, parle des mondes qui se trouvent au-dessus des étoiles. Rabbi Nachman disait que chez les philosophes, leur sagesse se termine au niveau des constellations. Ils pensent que dans le niveau des constellations réside la divinité. Quant à elle, nous dévoile qu'il y a des mondes encore plus hauts. Rabbi Nachman vit un jour un livre contenant des passages de la Kabbale qui ne se trouvent nulle part ailleurs. Cet ouvrage parlait des niveaux du développement avant d'atteindre l'univers de l'émanation qui se trouve contenu dans le monde de l'habillement. Les enseignements de la Kabbale dévoilent également ce qui est encore plus élevé que l'émanation. Rabbi Nachman dit alors que les philosophes pensent eux aussi que toute connaissance se termine au niveau des étoiles. Il en est de même avec la vraie connaissance. Il existe niveau à l'infini, car la grandeur du Dieu n'a pas de limite.